Dans les battles diffusés ce samedi 22 avril sur TF1, Zazie Amirobin et Thomas Larose en face à face. Un duel qui n'avait pas d'issue positive pour elle qui a été contrainte de se séparer d'un 2 à contre-cœur. Sauf que, pendant plusieurs semaines, les auditions à l'aveugle de cette saison 12 de The Voice sont rythmées les samedis soirs de TF1. Depuis la semaine dernière, les talents retenus dans les équipes de Vianney, Big Flo et Oli, Amel Bent et Zazie s'affrontent à 2, voire à 3, au cours des battles. Les coachs forment eux-mêmes les binômes mais à la fin de chaque performance, ils sont malheureusement contraints de se séparer d'un des leurs. Ainsi, lors du premier numéro des battles, Luman Nae, Ludmilla, Aurélien, Awan, sauvé in extremis par Amel Bent, Nicoline, mais aussi, Benaël et Camille, ont décroché leur place pour les cross battles. Ce samedi 22 avril, de nouveaux talents ont été envoyés par leurs coachs aux battles dont Robin et Thomas Larose. Zazie, The Voice. Tiraillé après la performance de Robin et Thomas Larose pendant plusieurs heures, les deux jeunes hommes se sont entraînés à chanter, à leur manière, « Il est où le bonheur de Christophe Maé ?» Sur le plateau, Zazie a été bluffée par leur performance. « Vous avez assuré », leur a-t-elle dit avant de se rendre compte qu'elle allait devoir faire un choix des plus compliqués. Mes copains, s'il vous plaît. Déclare-t-elle pour demander de l'aide. Mais même Big Flo et Oli, Vianney et Amel Bent ne savent pas pour qui voter, même si leur choix n'a pas de vraie valeur. Si est-il ça une belle battle, si est-il de mettre des gens qui peuvent faire un duo ensemble et de mettre leur coach dans la mouise, déclare-t-elle à l'antenne. Je vais prendre un risque énorme. Les votes des collègues de Zazie sont finalement dévoilés, et, mis à part Amel Bent, ils ont tous choisi de soutenir Thomas Larose. Malheureusement pour elle, il faut quand même faire un choix. Tiraillée entre les deux jeunes hommes, elle n'arrive pas à prendre sa décision. Qu'est-ce que je fais? Se demande-t-elle. Après un suspense interminable, elle informe qu'elle va prendre un risque énorme, « Je vais garder Robin », annonce-t-elle. Un choix fait en espérant qu'un de ses camarades se jette à l'eau pour sauver Thomas Larose. « Je vais essayer d'espérer que tu sois volé quelque part », le rassure-t-elle. Peu de temps après avoir terminé sa phrase. Vianney appuie sur son buzzer pour l'intégrer à son équipe et lui permettre de poursuivre l'aventure. Une joie pour Zazie. Merci, merci, merci. Si est-il ça que je voulais, conclut-elle avant de lui faire un gros câlin. À lire aussi The Voice. Une grande première vous attend dans une battle de Big Flo et Oli ce samedi soir.